c'est un petit détail, mais aujourd'hui, tous les concurrents, excepté Alessandro Di Benedetto et Arnaud Boissière, ont repris quelques mille au leader. Même Tanguy de la Motte, avant-dernier à 3230 000, 6 000 km de François Gabin. Voilà, ça va vite aujourd'hui. Il y a 25 nœuds, 30 nœuds devant. Voilà ce que ça donne. On taille la route à 20 nœuds là. Belle manœuvre, ma foi. Même pas mouillé. Il suffit que je dise ça pour que ça mouille. Cette réduction des écarts est surtout visible entre les deux premiers, puisqu'Armel Le Cléache n'est plus qu'à 16 000 de François Gabart. Pour le reste, il n'y a rien de particulier à signaler sur la physionomie d'une course marquée par la vélocité des deux gars de devant. Et ça, ça étonne quand même un peu Jérémy Bayou, présent à la vacation du jour. Ils arrivent à rester plus longtemps devant des fronts, et ce qui est du coup surprenant, c'est que ceux qui sont derrière prennent des boîtes. Caramel. Ouais. Et ça, c'est forcément pas évident à vivre pour ceux qui sont derrière, parce que non seulement les premiers sont devant le front avec le vent bien orienté, la mer bien rangée, et puis eux, ils sont derrière avec moins de vent et la mer désordonnée, ils voient les premiers se barrer, donc c'est pas facile à gérer, mais comme il dit, il faut garder espoir, et au moins au virage au Cap Horn, il y aura peut-être des regroupements. Car voilà bien le sel du Vendée, les écarts sont importants et pourtant rien n'est joué, du moins nous on ne se risquera pas à un quelconque pronostic, question d'amour propre certainement. Bien malin peut dire qui va gagner le Vendée Globe. Celui qui se porte à ses jugements est proche d'un imbécile. Voilà, ça c'est dit. La seule chose à peu près sûre, c'est que Tanguy ne gagnera pas. Il s'en fout certainement un peu, le vent encore forcé, et il y a l'eau qui fume. 45 degrés, smoke on the water!